Jam Academy, l'école des talents. L'école des talents. Le monde culturel et people. En un seul repère. Paparazzi. Nouveau paparazzi avec Lara Croft. Paparazzi. Rashman se lance dans la partie show du biz. Le Pataboy s'est en effet depuis deux week-ends lancé dans l'organisation de matinées dansantes dans un club de zone 4. Il surchauffe les pistes de ce côté de Babi avec en plus des prestations d'artistes et open mic. Il est facile d'imaginer l'ambiance qui y régnait hier dimanche après-midi quand sur scène Rashman himself a pris le mic accompagné de Nuka le Nushi patenté et Kenaz du groupe Sans Soi pour ne citer que cela. Tout ce que l'on peut dire c'est que la rage est à fond dans le show et dans le biz. La fiancée de Chris Brown est excédée des retrouvailles avec Rihanna. Carrie Tate, la fiancée de Chris Brown, vous le direz mieux que nous. On ne peut pas plaire à tout le monde. La semaine dernière, lors de la soirée des Video Music Awards 2012, organisée par MTV, il y a eu des retrouvailles qui lui ont fortement déplu. Celle de son brisé avec son ex-fiancée Rihanna. Un baiser, une tendre accolade, c'en était de trop pour Carrie Tate. D'après une source proche d'elle, la jeune femme de 24 ans a pris ce baiser en public comme une grande claque dans la figure. Malgré cette belle image de retrouvailles que les caméras de MTV ont véhiculée dans le monde entier, cela n'a pas du tout plus à tout le monde, surtout pas à Carrie Tate qui ne décolère pas. Fin du paparazzi avec Lara Croft, à plus. La Jam Academy, l'école des talents. L'école des talents. Paparazzi. Le monde culturel et people. En un seul repère. Paparazzi. Paparazzi. Paparazzi.